Qu'est-ce que tu me réserves encore, vil sorcier? Te dirais-tu d'un petit combat pratique? Tu sais que je ne combats que les dragons. Ching! Oui, je sais, mais j'ai un bon sujet à traiter avec toi aujourd'hui. Allez, une petite joute de combat. Allez. Tu sais bien que je n'ai peur de rien. Présente-moi les vilains et tout. Sors ton sabre qu'on se pratique. Allons-y. Cling, cling, cling. Tu te souviens de cette machine? Cling, cling, cling. Démoniaque! Que j'avais dit que je ferais construire lorsque je conquérais ces terres lointaines en Saxe. Et alors, eh bien, ching, je l'ai. Tu l'as? Oui, tu as construit cette diabolique machine. Tout à fait, dans l'écurie. Et tu sais que depuis qu'il y a ce blocus à Constantinople, bien sûr, on ne peut plus se déplacer comme on veut. Ha! Mais c'est pour ça que je vais aller faire la croisée. Mais non, tu ne ferais que dépenser du sang, de l'énergie et du temps inutilement. Mais vois-tu, je suis né pour le sang, pour le sentir. Mais attends, ça. Je sais, tu es un homme droit et franc, c'est pour ça que je t'ai choisi d'ailleurs. Mais regarde plutôt ceci. Qu'est-ce? C'est une machine révolutionnaire, mise au point par les plus grands savants du royaume, qui saurait te donner le voyage de ta vie. Voyage, tu m'intéresses. Est-ce que tu pourrais m'emmener à Constantinople pour que je fasse goûter le sable à tous ces Turcs? Que dirais-tu si je t'amenais non seulement à Constantinople, mais à Constantinople quand tu le voudras, à l'époque où tu le voudras? Mais diantre, ça prend 3 mois de cheval pour arriver jusqu'à Constantinople. Et si je te disais qu'en moins de 2 secondes, tu serais à Constantinople 50 ans plus tard? 50 ans plus tard? Je ne demande qu'à voir! Mon brave Artus, tu sais comment j'aime tes services, tu sais comment je t'apprécie. Mais Verlin, cesse ce bavardage inutile! Entre dans cette machine. Entre sous ce socle. Assieds-toi, attache ta ceinture, arrête de fumer. Mais il ne se passe rien, Virlin! Pour le moment, je pourrais jouir du fait que tu es prisonnier. Mais je n'en fais rien, car cette invention saura t'amener beaucoup plus loin que cette écurie. Fais vite! Choisis une date. À quelle année aimerais-tu être? Dans le futur. Tiens, 1998. Au hasard. Pourquoi on t'entend toujours, Virlin? Ferme cette fenêtre, qu'on diguidine. Grâce à ce manche à balai, je te ferai partir dans le futur, mon cher Artus. Le problème, c'est qu'il ne pourra plus jamais revenir ici. Artus, tu es prêt? Bien sûr, Virlin! Tu es vraiment prêt? Bien sûr! Tu vas voir la ride de ta vie, mon ami! Attention! Viens-là! Qu'est-ce que c'est, man? Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, yo, c'est quoi ton problème? Tu veux pas te voir, toi? Hey, les gars! On dirait que c'est l'Halloween! Mais quelle est cette étrange accoutrure? Quoi ton problème? Man, y'a des gens qui s'en viennent. Attends, j'ai des mains. Qu'est-ce que c'est que ça?